Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, disons que leur éducation est assez sévère, mais bon, ça va. Disons que ça fait quand même du bien de pouvoir... C'est très dur, hein, franchement, c'est vraiment très dur leur éducation. J'en ai même chialé la première fois, tellement que c'était dur. Surtout, en fait, la façon... de tenir équilibre. Avant, je tenais l'équilibre parfaitement bien sur une planche, ce genre de choses. Et quand vous remontez pour la première fois en réessayant de faire de l'équilibre, moi, en tout cas de mon côté, ça me faisait tellement mal que j'en ai souffert. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Bon, malgré que j'aurais bien voulu ne pas me casser la gueule, mais bon, tant pis, hein, je ne pouvais guère faire autrement, de toute façon. Donc voilà. Sinon, dans les médias... Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est The Strange 2. Oh yeah. Sinon, dans les médias, à part ça, ça va, ça va. J'y vais tous les jours. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, et des fois le dimanche. J'y vais pour justement faire mes séances. Et c'est plutôt hard, hein, faut dire ce qui est. Mais dans les médias... Ça va, j'ai de bons profs, on peut appeler ça des profs, hein, des mecs qui me refont leur éducation. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est bien cool. Ça aide quand même pas mal. Bon, lui, il commence à me casser les burnes. Oh, overkill! Ah, ça c'est cool. Ouais, je m'en doutais que c'était un... M'en fous. Putain, je lui ai défoncé sa mâchoire. Donc voilà un petit peu le... Un petit peu les actualités. Sinon, moi depuis une heure facile, je suis en train de faire ce donjon. Qui est très dur, hein. Faut dire ce qui est, il est vraiment très dur ce donjon. Mais c'est cool. Ah bah tiens, il y en a plein ici encore. Hey, descends ici. Ah, ils vont s'attaquer, voilà, ils vont se bouffer la gueule. Voilà. Mais sinon, dans le principe des cas, ça va, je vais retourner en force, comme une épée forte, hein, comme ceux qui l'ont dit. Ça fait vraiment du bien de... Ça va faire vraiment du bien de pouvoir remarcher, en tout cas. D'accord, c'est un squelette qui avait pop, et puis ici, c'est un zombie. Putain, ils sont hard! Putain, je les défonce, par contre. Mais sinon ça va tranquillou. Du coup, alors pourquoi je suis ici? Parce que en fait dans ce genre de donjon, il y a ce qu'on appelle des beaux livres, hein, des beaux livres d'enchant, qui sont plutôt pétés quand même, il faut dire ce qui est. Et du coup, il faut en profiter pour... Oh, une efficacité 5 fortunes. Lol. Donc voilà, j'en profite vraiment pour faire ce qu'il faut et récupérer le maximum de choses. Là-dedans d'ailleurs, il n'y avait absolument rien du tout. Il y a quoi? Fortune 3, efficacité. Auto-smelt. Oh. J'ai 2 efficacités là. J'ai un fortune 3. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme, comme système ici. Mais voilà, un petit peu actuellement. Voilà. C'est vrai que je me répète plutôt pas mal d'ailleurs. Eh, pas cramé. Donc voilà, je aujourd'hui. Je suis pas mal occupé là-dessus. Va te coucher. Doit y avoir des spawners dans le coin. Je sais même pas où, mais osef. Vous voulez pas vous toucher un peu? Mais voilà, donc j'en étais où? J'en étais que j'étais en train de me faire les coffres. Oui, parce que nous avons quand même pas mal de choses à faire.
Notamment faire la continuité de notre applied. Parce que l'applied, je ne l'ai pas avancé sans vous. Je préférais plutôt aller faire ce qu'il faut. Ce qui veut dire aller chercher des donjons. Également, pourquoi des donjons? C'est surtout que il y a des bons. Un bon livre d'enchant. Bon, l'armure, elle a failli péter une fois. Heureusement, j'ai le système de repère. Cependant, le système de repère ne fonctionne pas dans l'armure. Comme ça, je suis obligé de le déséquiper pour pouvoir faire en sorte qu'elle se répare. Je ne sais pas si c'est un bug ou autre, mais c'est plutôt assez chiant, faut dire ce qui est. C'est vrai qu'il n'y a rien ici. Il y a un côté où que... Bah, celui-là, je l'ai fait. C'est le... Fucking... Hop, va te coucher. Il y a des coffres, normalement. Ouais, voilà. Il y a des coffres sur les côtés. Oh, un Protect 4. Hein. YOLO. Auto-smelt, ouais. Il y a encore du auto-smelt un peu partout, en fait. C'est pas vraiment ma tasse de thé, l'auto-smelt. Nezorak, Nezorak. Ouais. Hop. Va. Va brûler, Satanas. J'aime pas ce genre de grosse grotte. Merde. Bon, j'ai espéré ne pas le faire péter, mais il a pété. Eh, on va se coucher, vous. Non, mais. Mais voilà, dans le... En tout cas, c'est cool. J'aime bien le PVP de la 1.9, franchement j'aime bien. Bon, quand il y a beaucoup de mobs, moins, mais dans le principal des cas, je l'aime bien. Ça a dû bien péter là-haut en tout cas. Ça a dû bien péter. Donc voilà, sinon dans l'autre cas, est-ce que j'ai rajouté des mods? J'ai juste mis à jour quelques mods. Sinon dans l'immédiat, pas grand chose. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une ellipse. Pour que je puisse remonter là-haut et du coup continuer notre quête. Re tout le monde, donc je suis arrivé enfin, j'ai tranquillement fait ce qu'il faut. Ah, ça a pas mal poussé ici, c'est plutôt sympa, tiens. Ça a même bien poussé. Et voilà un petit peu ce que j'ai récupéré dans tout le donjon. Donc c'est quand même assez pété au niveau des livres. Pété, non. C'est disons qu'il y a beaucoup de choix, surtout dans le livre. Dans les livres, il y a quand même énormément de choix. Et bah c'est plutôt pas mal parce que ça me permettra justement d'obtenir en fait une épée plutôt pétée mais en diamant. Mais avant de faire celle en diamant, il y a une chose que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'au niveau des swords... Quand ça va charger. Au niveau des swords, il y a... Oh, la red... Ah bah oui, c'est la red matter, lol. Il y en a une qui me plaît plutôt pas mal. Celle en obsidienne est plutôt pas mal. La superstar. Ah oui, bah oui, hein, il faut des wither bones. À mon avis, on les a très rarement, ceux-là. Voire vraiment rarement, parce que c'est ce qu'il faut, et on a les ceux-là. Superstar, ça fait 10 d'attaque hein, quand même. Hein. 10 d'attaque, c'est quand même pas rien. Faudrait qu'on se la fasse un jour, parce que ça, plus un Chartney 5, ça fait 2,5. Ça ferait un 12,5 d'attaque, je crois, ou un 15 d'attaque. C'est quand même assez pété, il faut dire ce qui est. 6, Chartney 5... 6, ça fait 2,5. Ça fait 2 points de plus. Ça fait 12, ça fait 12,5. Ouais, il doit y avoir 13 points d'attaque avec un Chartney 5 dessus. Donc, ce qui est quand même un petit peu pas mal. Il faut dire ce qui est. Donc, ceci étant fait. Alors, il va me falloir. En fait, pourquoi je suis allé dans le donjon? C'est tout simplement pour récupérer des diamants. Eh oui, les fameux diamants que j'ai besoin pour le Refined. Voilà, Refine Storage. En fait, pourquoi j'en avais besoin pour... Ah oui, c'était les disques drive. Advanced Processor, d'accord, très bien. Je savais bien qu'il me fallait pour quelque chose. Donc, tac, on va mettre les diamants. On va se le faire tranquillement. Lui, bah, il tourne plutôt pas mal. Je vais lui rajouter du coal.
J'en ai été chercher en plus. Donc ça va produire largement. Et en plus à côté, il y a ce qu'il faut en bois grâce à ceci. D'ailleurs, je pourrais les diviser par... par 3 la range, la faire que 8. Parce que le bois là, en fait, ça pousse plutôt pas mal et ça nous obtient quand même pas mal de choses. Bon, ça, l'avantage c'est que ça a beaucoup de pommes. Mais dans le principal des cas, c'est quand même cool. J'ai récupéré des têtes de creeper, des émeraudes, des slime balls, j'en aurais besoin. Beaucoup d'os, des larmes de ghast aussi. Enfin, j'ai récupéré quand même plutôt pas mal on va dire en aspects. C'est pas vraiment des aspects, plutôt en... En beaucoup de choses en fait. Il faut dire ce qui est, j'ai retrouvé Enderman Creeper parce que je le garde. Ça peut être intéressant. Et j'ai trouvé deux têtes de Wither. Donc c'est quand même très bien. 2 sur 3 c'est quand même très bien. Ça me suffit largement. Pour l'instant on a des Wither Plash. Et on a eu un drop tellement rare drop War Wither Skeleton. Qui nous permet en fait d'obtenir des Engine Rings pour plus tard. Donc c'est quand même assez sympa d'obtenir ceci parce qu'on peut en fait se faire des Engine Rings facilement en fait. Et maintenant il me faut juste un Golden Lasso de batte, donc une chauve-souris, des ailes et on va pouvoir voler. Cependant, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ça gâche un petit peu le système comme quand on est à pied. Je ne le ferai pas. Ça, c'est clair et net. Je ne le ferai pas. On va mettre ceci là. Les têtes de zombies. Têtes de creeper ici. J'ai récupéré un just box aussi. Hein, ça, c'est très pratique. Un just box. Donc c'est très pratique. Voilà. Hop, tiens, je vais la foutre là. Elle est terminée. C'est parfait. Tac. On a de la soule, on a des... ça, on a énormément de ça. Va vraiment falloir que je fasse un gros système pour permettre de stocker tout ça dans quelque chose. La pioche en diamant, on s'en fout maintenant, sachant qu'on a une... On va dire quelque chose de bien, il faudrait juste un fortune dessus et ça pourrait faire extrêmement bien l'affaire. Mais dans l'immédiat, j'en ai pas forcément besoin. Sinon, ça, modifier l'armure, je ne le ferai pas, parce qu'on aura des armures assez pétées plus tard. Sinon, des saplings tranquilles, YOLO. Sinon, là-dedans... Ah, j'ai deux têtes. Ah non, c'était les têtes que je... Ok. Ces fameuses têtes-là, hein, elles sont très rares et c'est cool de les avoir. Enfin bref. Une hache en diams, alors j'ai gardé la hache en diams quand même parce que je me suis dit peut-être que je vais en avoir besoin un jour. Mais pour l'instant on n'en a pas forcément besoin. Sinon des potions qui me servent pas, je les balance là-dedans. Voilà. YOLO. C'est des potions en fait de... comment? De Wither, donc je m'en fous. Sinon dans tous les autres livres, bah, on les stockera ce qu'il faut là-dedans. Mais une fois que j'aurai fait tout ce qu'il faut. Du coup... disque drive, maintenant que nous avons fait ça, il va nous falloir ça, redstone et autres. Ça, redstone et silicone. Hop, c'est en train de produire, donc ça me fera largement les disques drive. Qui va me falloir du quartz machin et un chest. Quartz machin, c'est du fer et du quartz. Sachant que le quartz, j'en ai quand même récupéré pas mal. Et ça, c'est plutôt un très bon point puisque ça va me permettre d'obtenir d'autres quartz. Hop, pouf, ça m'en fait 8, ça me fait exactement en plus ce qu'il me faut. Hop, casing, un coffre. Tac, et normalement, je récupère ce qu'il y a là-dedans. Tac. Donc là, ça va me faire mon disque drive. Donc c'est assez long. Faut dire ce qui est, c'est quand même assez long. Mais bon, on s'en fout. Ça fait 3 RF, là ça fait 4 RF, donc ça va. Au pire, un jour, je mettrai un panneau solaire dessus. Donc ça a besoin de 7 RF. Ça en produit largement. Mais plus tard, je mettrai quelque chose d'autre. Hop. Voilà, on a notre disque drive. Pouf. Hop, disque drive, ça consomme 5 RF. Ça commence à devenir... Oh, gourmand. Alors, les priorités... Ah, c'est cool, on peut setup la priorité à la main. Ah, ça, c'est quand même cool. Ça, j'adore. Et en plus, on a une jauge. Et un mode de waitlist. Oh, c'est pété.
Bah c'est pété, non c'est pas pété, mais disons que c'est cool en fait. Va me permettre de faire pas mal de choses. Par contre le fer il manque un peu, hein, mais c'est pas très grave au pire. Ouais, ouf. Ah oui c'est vrai j'ai des bouquins aussi. Hop. Bon, on a notre disque drive, c'est bien beau, mais pour l'instant on va pas pouvoir mettre ce qu'il faut dans notre réseau. Donc pour cela, ouais, ça pouffe énormément. Ah bah oui, il y a ça. Je suis con moi. J'étais en train de me dire ça bouffe énormément. Bah oui, forcément, il y a le coco qui bouffe 20 RF à chaque fois, donc au tic. Donc tu m'étonnes que ça bouffe. Sinon ça a besoin de 12 RF. Bon ça va, c'est plutôt minimum mini comme système et hop. Ah j'avais du silicone ici, ça c'est cool. Silicone va me permettre de faire autre chose. Ah les 1K, bah c'est cool. Je vais pouvoir faire des 1K. Pas les civilisations, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Des storage blocks. Oh. Redstone, quartz. Ah, il me faut encore du quartz quoi. Tac. C'est assez coûteux quand même à en faire, hein. Faut dire ce qui est. Mais c'est cool, ça ramène de la pêche. Me faudrait de la cobble. Et la cobble, c'est le franchement, la cobble, c'est le truc qui me manque le plus. Ah bah tiens, j'ai du verre, Joseph. Parce que je voulais faire justement du sable, mais comme j'ai du verre. Ouais, tiens, je vais en faire deux. Il faut faut la mettre dans une disquette. On peut faire une 4K ou faire une 1K. Ok. Floppy disk. Ah ok, c'est juste pour la mettre dedans au pire. Ok. 3 redstone de fer. Alors. 3 redstone. De verre. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ah, il me faut 2 verres. Bah, je pensais qu'il n'en avait pas besoin, mais j'ai besoin de cobble. Heureusement, j'ai ce trou-là pour me faire de la cobble. Hein. Genre, si j'ai le touch. Ah ouais, j'ai su le touch. Oh! Ah bah non! Ah, j'ai peut-être fusionné avec un truc. Ah, bah c'est bien d'un côté d'avoir Silk Touch, mais en fait, là, ça m'arrange pas du tout, en fait. Ah, c'est pas cool. Est-ce que je peux le... Ouais. Je vais voir ce que ça donne. Ah, ça me fait de la cobble, waouh. Bon bah tant mieux. Ça me fait de la cobble. Hop. Et fait un running. Bon l'avantage c'est qu'on produit plus que qu'on consomme. Donc du coup à partir d'un moment ça va... Allez ça bouffe 32 000 là aussi ça. Je vais le couper. Comme ça va se recharger sans bouffer l'énergie qu'il y a dedans. Et ça se recharge en plus. Eh ben c'est magnifique ça. Tranquillou. Donc il me faut du sable. On va le laisser là. Genre ça me fait du gravier. C'est chiant dans certains modpacks en fait ça me le mettait directement en sable. Là ça me le met en gravier avant d'être en sable. Donc du coup je vais devoir ouais, remettre en sag pour me faire ça. En plus j'ai de la chance d'obtenir ce qu'il faut donc. Ok. Bon, d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est plutôt chiant en fait, mais bon, ça va. On peut pas non plus dire que c'est un peu de la merde. C'est. Voilà. Ça dépend vraiment des modes en fait. C'est surtout ça. Et il me faut encore du quartz. Eh, franchement, je vais commencer à me gaver avec ce fer. J'adore le bug d'affichage que ça met à chaque fois. Bon, l'avantage c'est que ça cuit super vite. Me faut du quartz. Voilà, 2, ça me suffit.
Voilà. Et D1K. Hop, hop. Voilà, j'ai deux disquettes. En plus, c'est bien, il y a bien le même méthode Shift-Click qui permet d'enlever tout. Donc, on va le mettre là, on va le mettre là. Ça ne le met pas là? Ah non. Oh, je sais pas à quoi ça sert ici. Donc, on allume, on a notre disquette, et on peut mettre dedans. Oh, ça c'est cool. C'est assez cool qu'on puisse mettre des choses dedans. Et ça remplit comment du coup? Oh, c'est cool! Ah, franchement, c'est cool, ça m'indique la jauge. Oh, mais c'est cool! Ah, franchement, c'est cool. Eh, franchement, c'est vraiment cool. Alors ça, j'adore. Franchement, ça, j'adore, j'apprécie énormément. Les minerais, je vais peut-être les laisser là. Le quartz, je prends ça. Alors, est-ce que ça fonctionne au niveau des bytes? Je ne crois pas. Là, par exemple, j'ai 1043. Si je rajoute une table de craft, j'ai 1044. Ok. Si je rajoute une torche, ça fait toujours 1044. Si je rajoute une torche, ça doit être faire 1045. Ok. Donc, c'est bien à partir du nombre d'items qu'il y a dans la disquette. C'est pas le nombre de bytes, en fait, qu'il y a dans, comme Applied, le vrai Applied. C'est le nombre d'items qui se trouvent dedans. C'est bien et c'est pas bien en même temps. Parce que là-bas, au niveau des bytes, en fait, il y avait le système comme quoi... je fais dodo. Le système comme quoi, quand vous rajoutez un item, ça vous bouffait directement 8 bytes, environ. Un item. Et vous en mettez, ça ne bouffait pas le nombre de bytes en plus. Par contre, si à partir d'un certain seuil, vous le dépassez, là, ça le bouffe. Sauf que là, en fait, ça compte comme un item de base. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Bon, après tout, c'est bien quand même, hein, il faut dire ce qui est. Mais bon, ça va être un peu chaud par moment, puisque comme c'est compté par item, ça risque d'être un petit peu plus short. Mais bon, donc, on va bien s'en sortir, c'est pas trop ça le problème. On va bien s'en sortir. Et au pire, hein, j'ai juste à me refaire des disquettes hein, de 1K. Tac. D'accord, il me manque ce qu'il faut en plus. Hop, on va progresser tout ça. Donc, bon, on va dire que c'est bien et c'est pas bien. Hein, mais dans le principal, j'aime bien. Et puis ça sert quand même d'avoir un petit applied. Ça, c'est cool quand même d'avoir un petit applied pour soi. Merci à celui qui me l'a donné, sérieusement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir un bon applied, rien que pour moi. Pour moi, pour ceux qui regardent, naturellement, il y a la liste des mods hein, pour ceux qui le veulent. Mais comment? Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est bien de me l'avoir donné, ça me donne... ça... Je voulais le faire via les storage drawers, qu'on le fera parce qu'on le fera pour quelque chose d'autre. Mais dans les médias, voilà, dans les médias, on sera plutôt content. Faudrait que je fasse un générateur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des... Il doit y avoir des lecteurs, ce genre de choses. Il y a un relais, un pattern encoder, external storage. Ah, c'est pas mal ça pour la cobalt, tiens. On fera ce qu'il faut. Non mais sinon c'est cool, franchement cool. Merci à celui qui me l'a donné. Sérieusement, ça fait vraiment plaisir. Ah, évidemment. Hop. Tac. Et je peux faire ça. Tac. Me manque du quartz. Alors par contre, ouais. Ça m'en donne la moitié. Ok, le contrôle. Ok, le contrôle, c'est la moitié. Shift-clic droit, ça me donne dans l'inventaire. Contrôle-shift. Oh, on peut lui demander de crafter ce qu'il faut. Ok, très bien.
Cependant, merde, je l'ai éteint. Ah, ok, par molette, en fait, c'est une seule. C'est un seul, donc ça, c'est plutôt un bon point. Molette, non, c'est pour descendre. Ok. Bon, il y a des choses que je voudrais bien que ça soit comme Applied le vrai. Cependant, c'est quand même bien d'avoir ce qu'il faut. En plus, j'ai un petit système à côté qui peut me permettre d'avoir du bois et faire ce qu'il faut. Donc dans le principal des cas, en tout cas, c'est un mode très sympa. Faut que ça soit dans un sens particulier. Hop, une autre disquette, une autre disquette. Donc là, je suis à 70%, pouf, je suis à 47%, pouf, je suis à 35%. Donc c'est quand même assez... Et j'adore cette jauge. Franchement, c'est cool. Si vous avez des énormes réseaux, vous pouvez savoir là directement si vous êtes full ou pas. Après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un bloc ou un item? Oh, il y a une interface. Putain, elle a l'air assez chère l'interface quand même. Ouais, il y a un importeur et un exporteur. Constructeur, déconstructeur. Ça peut être cool. Tiens. Wireless transmitter. Ok, très bien. Avec la télécommande qui va avec. Le pattern, le contrôleur, créative. Exporteur. Ok, relais, processing, cable. Crafting monitor. Ok, très bien. Ouais, ça va, c'est plutôt sympa en fait. Hein. Bon, l'interface hein, qui permettra de lire ce qu'il y a dans le coffre, je crois. Et storage block qui me permet en fait de faire ce qu'il faut au niveau des crafts auto. Et le wireless en RF. Ouais, ça va, c'est plutôt cool. Franchement, c'est cool. J'aime bien le système, j'aime bien la façon de faire. Puis j'aime surtout ça, la jauge, franchement, c'est le truc magnifique. Cependant, je vais vous laisser les gens. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fera toujours plaisir. Et du coup, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Sur ce, oula, c'est ce. Bonjour tout le monde, bonsoir et à la prochaine. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Applied. Oh!